Donc là, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Et nous allons regarder les versets 5 à 25. Les versets 5 jusqu'au verset 25. Et donc, 25. Et donc là, nous poursuivons l'étude de ce passage que nous avons démarré la semaine dernière avec les quatre premiers versets. Et je suis sûr et certain, quand je vous ai dit dimanche dernier qu'on allait regarder que quatre versets, vous étiez tous contents. Mais là, on revient à ce que nous faisons régulièrement, 15, 20, 30 versets par message. Mais là, malheureusement, nous voyons la suite de ce qui se passe et nous voyons une victoire spirituelle. Nous voyons quelque chose de merveilleux ici dans ce passage, mais en même temps, nous voyons quelque chose de très triste, d'horrible même. Et donc, nous voulons comprendre aujourd'hui que Dieu veut que ses enfants annoncent l'Évangile. Dieu veut que vous et moi, nous soyons impliqués dans l'annonce de l'Évangile. Mais en même temps, quand nous annonçons l'Évangile, très souvent, il y aura de l'opposition. Très souvent, il y aura d'autres qui viennent, qui vont essayer de s'infiltrer dans le corps de Christ, l'Église, pour détruire ce que Dieu est en train d'accomplir et de construire. Là, à Jérusalem, ils n'ont pas réussi à faire taire les apôtres. Ils ont continué à prêcher malgré l'opposition du gouvernement, malgré l'opposition des autorités spirituelles juives, n'est-ce pas? Ils ont dit à Pierre et à Jean, on vous interdit de prêcher dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Pierre et Jean ont fait? Ils ont continué à proclamer la bonne nouvelle de Jésus. On a vu cette guérison miraculeuse avec cet homme boiteux qui attendait chaque jour, qui faisait l'aumône, qui faisait la manche, là, qui vivait juste de la bonté des autres, de la charité des autres, là, à la porte d'entrée du temple. Et Pierre et Jean lui disent, nous n'avons pas de l'argent, mais ce que nous avons, on vous donne. Lève-toi, marche. Et cet homme est venu, il s'est levé, il a marché pour la première fois de sa vie. Et Dieu l'avait guéri. Et à travers ce miracle, cette guérison miraculeuse, des milliers et des milliers de gens sont venus au Seigneur à travers ce témoignage puissant et extraordinaire. Et là, les autorités ont vu, mince alors, on perd le contrôle. Et ils ont eu peur. Et ils ont emprisonné Pierre et Jean, mais ils ont été relâchés. Et par la suite, on voit que dans la même suivi, dans le même fil, là, Étienne commence à prêcher. Étienne, ce premier diacre de l'Église, proclame le message de Jésus et Jésus seul qui sauve. Pas une religion, pas un système humain, mais la foi seule en Jésus-Christ. Et ils discutent, ils débattent avec les hellénistes, les juifs, les hébreux d'héritage, mais qui sont revenus après la diaspora, quand tous les juifs ont été dispersés dans l'Empire romain, mais ils parlaient grec, pas forcément hébreu. Et donc, ils discutaient avec eux, et là, probablement, Saul était présent pour ces débats. Et il s'est mis en colère, il était frustré et fâché avec ce que lui, il pensait, c'est pas possible. Ils trahissent ces chrétiens, ils trahissent la foi en Dieu. Et nous avons vu la mort d'Étienne. Et instantanément, le même jour, comme on a vu dimanche dernier, la persécution avait commencé. Et Saul, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, commence à faire comme nous voyons dans un autre pays aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils font porte à porte, mais il enfonce les portes pour retrouver les chrétiens. Et il les mettait en prison. Et il les pourchassait. Et nous voyons même plus tard dans le livre des Actes des Apôtres qu'il allait même dans les villes étrangères. Il n'était pas juste content de pouvoir le faire ici en Israël, mais il poursuivait les chrétiens juste à l'étranger.
Et donc, nous voyons quelque chose d'horrible qui se produisait, quelque chose de merveilleux avec la venue du Saint-Esprit au jour de Pentecôte, avec les 3000 personnes qui se sont converties, avec les 2000 de plus, avec les 5000 hommes le jour où l'homme boiteux a été guéri miraculeusement. On voit l'Église qui prend de l'ampleur, une taille importante. Et immédiatement, Satan essaie de détruire par les attaques qui viennent de l'extérieur. Et toute l'Église est dispersée, sauf les apôtres. Ils restent à Jérusalem pour tenir ferme, pour que, au moins, le lieu où la flamme a été allumée reste allumé, pour que les croyants ne soient pas troublés et ébranlés dans leur foi, pour qu'ils puissent poursuivre dans ce chemin du Seigneur. Et là, nous avons vu Étienne, le premier martyr de l'Église, mais aussi il faisait partie des premiers diacres. Mais nous voyons un autre diacre, Philippe. Nous voyons un autre serviteur de Dieu et qui n'est pas juste resté là pour servir avec du côté matériel, passer la peinture, refaire la façade, faire ceci ou cela. Non, mais il était impliqué dans tout cela, nourrir les veuves de l'Église de Jérusalem, mais aussi il était impliqué dans la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons ici. Nous voyons la suite de cette histoire. Oui, Satan a essayé de détruire par l'extérieur, mais dans ce passage, nous allons voir qu'il va essayer de détruire par l'intérieur aussi, l'Église, afin qu'elle ne puisse pas être cette lumière pour le Seigneur dans ce monde. Donc, lisons ensemble à partir de verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il le voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à un prix d'argent. » Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. »
après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur. Et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Dirige, donne-moi ce que tu veux que je dise ce matin, parce que moi je veux, mais toi simplement. Seigneur, aide-nous à être sensibles à ton Saint-Esprit qui nous parle à travers ta parole, qui nous interpelle aussi. Donc Seigneur, dirige ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors nous voyons dans la première partie de ce chapitre quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Malgré la persécution, nous voyons que la parole est prêchée. Malgré la souffrance des croyants de l'église de Jérusalem, quand ils ont été dispersés, ils annonçaient la parole de Dieu partout où ils allaient. Et même le mot que nous voyons dans les premiers versets de ce chapitre, versets 1 à 4, ils prêchaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le même mot qu'on va utiliser pour semer la semence dans les champs, d'accord? Et donc, partout où ils allaient, comme cette parabole, n'est-ce pas, avec le semeur, il a semé et après, Dieu fait croître selon son plan, sa volonté et comment les hommes acceptent. Et donc, partout où ils allaient, ils semaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et alors, dans ces 13, dans les versets 5 à 13, nous voyons la prédication de la parole. Et la première chose qui saute à mes yeux, devant mes yeux, c'est ce premier mot que nous voyons dans le verset 5. Philippe. Philippe. De nos jours, dans nos assemblées, très souvent, nous avons des pasteurs anciens diacres, n'est-ce pas? Surtout dans notre milieu. Est-ce qu'il y a autre chose des diaconesses aussi dans nos assemblées, certaines assemblées? C'est qui prêche? Vous pouvez le dire, c'est que nous ce matin. C'est qui prêche régulièrement? Le pasteur ou l'ancien, comme on veut. N'est-ce pas? Mais c'est qui prêche là? Philippe est un des premiers diacres de l'Église. Alors, la première chose qui vient devant moi est cette pensée, mais regarde la personne de Philippe. Regarde qui il est cet homme. Oui, on comprend que dans le livre des Actes des Apôtres, en fait, il y a une seule personne dans le Nouveau Testament qui est appelée évangéliste. Philippe. Philippe est le seul dans tout le Nouveau Testament qui est appelé évangéliste. Donc, il est quand même un homme à part. Mais à la base, vous savez ce qu'il était ? Un simple serviteur qui attendait à table, attendait sur les demandes des veuves de l'église de Jérusalem. Il apportait de quoi manger aux veuves. C'était un homme, un simple homme qui voulait servir le Seigneur. Mais par la suite, Dieu voyait sa fidélité, Dieu voyait cet homme qui voulait le servir et Dieu l'a choisi pour accomplir un ministère extraordinaire, merveilleux. Il a amené le message du salut aux Samaritains. Donc, nous voyons Philippe. Et vous vous rappelez ce qu'on avait vu quand on a regardé le passage par rapport aux diacres qui ont été choisis. C'était tous des hellénistes. Donc, des Hébreux, mais pas, ils ne sont pas nés en Israël. Ils n'étaient pas de là. Ils ne parlaient pas hébreu comme langue maternelle. Et il parlait grec. Et donc encore un helléniste, un juif, mais pas d'Israël. Et ce que moi je vois, c'est aussi, oui, ce serviteur de Dieu, mais aussi cet homme qui avait probablement lui-même aussi ressenti le rejet des juifs qui venaient de la Palestine, qui venaient de cet endroit-là, qui était assez... On ne veut pas jeter la pierre, mais qui était quand même un peu éloigné et séparé. Tout ce qui n'est pas juif n'est pas bon. Vous vous rappelez, on ne parle même pas aux Samaritains. Et regarde qui va chercher les Samaritains. Philippe. Cet homme qui a probablement été un peu repoussé par la communauté juive à Jérusalem,
Il avait compris, mais Dieu ne s'intéresse pas à cela. Dieu s'intéresse à la personne. Et Dieu veut sauver tout le monde. Et donc, il est allé vers ceux qui ont été rejetés par les Juifs. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui ont été mélangés avec d'autres nations. Donc, c'était des Juifs, des demi-Juifs. Donc, Mélisse et moi, on est tous des Américains. Les deux, on est des Américains. Mais bon, on est des Américains, elle est différente que moi. Hein? Elle vient du Nord et moi, je viens du Sud. On est des vrais chez moi. Ceux du Nord, on ne sait pas trop hein, d'où ils sortent. Mais c'est ce qui s'est passé en Israël. Il y avait cette tension entre ces deux peuples. Ils avaient même leur propre temple, les Samaritains, parce qu'ils n'avaient pas le droit de descendre à Jérusalem pour entrer dans le temple. Donc vous imaginez, on va l'appeler ce que c'était, hein, du racisme. Et là, Philippe dit, mais moi, toute cette histoire, je laisse tomber. Hein. Dieu aime tout le monde et je vais annoncer le message de l'Évangile à tout le monde. Alors encore, pour nous, ça devrait nous interpeller. On n'est pas là pour annoncer le message de l'Église de France ou le message de l'Église américaine ou le message de l'Église européenne. Nous sommes là pour annoncer le message qui sauve la parole de Dieu et pas autre message. On n'est pas là non plus, comme on avait déjà dit ce matin, on n'est pas là pour discuter de la politique. La politique ne nous intéresse pas. Tant qu'il nous laisse tranquille, il nous permet de suivre et adorer Dieu comme la Bible nous demande, ça ne nous intéresse pas tout cela. Au niveau de l'Église, d'accord? Au niveau personnel, il faut être bien impliqué dans certaines choses pour savoir où on va. Mais là, il a prêché simplement et clairement l'Évangile. Vous et moi, qu'est-ce que nous annonçons? Venez à l'église. Mais il faut faire ceci, il faut faire cela. Ou est-ce que nous disons, venez quand vous êtes. Venez, placez votre foi en Jésus-Christ. Et Dieu changera ce qu'il faut changer. Il est important de se rappeler que nous annonçons la parole de Dieu et pas autre chose. Et donc nous voyons la personne de Philippe, cet homme, ce serviteur, mais qui est devenu l'évangéliste, qui a proclamé la vérité de la parole de Dieu. Mais nous voyons un peuple aussi là, en Samarie, qui était attentif à ce que Philippe disait. Regardez verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alors nous voyons ce peuple qui s'attendait sur chaque mot que Philippe disait. Et quand nous proclamons l'Évangile, quand la personne est interpellée par l'œuvre de l'Esprit dans son cœur, et cette personne comprend ce que nous disons et la vérité, cette personne, elle est attentive au message. Pas ce que nous disons, mais à ce que Dieu dit à travers nous. Et là, nous voyons que Dieu a permis à Philippe d'accomplir des miracles merveilleux pour que son message soit confirmé par la puissance de Dieu. Les démoniaques ont été libérés, affranchis. Des paralytiques, des boiteux marchés. Est-ce que Dieu fait des miracles aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu, oui. Est-ce qu'on en a vu des miracles? Oui, on en a vu des miracles. Est-ce que Dieu délivre des hommes et des femmes possédés? Oui, amen. Dieu fait toujours ses œuvres magnifiques. Quelques années après que je suis arrivé ici en France, je rendais visite à un homme. J'avais quelqu'un d'autre de l'église avec moi. Et Dieu commençait à faire une œuvre dans son cœur. Mais malheureusement, son parcours était difficile. Il a visité beaucoup de magnétiseurs, il a visité beaucoup de voyants, il avait visité beaucoup de ces choses-là.
Et donc, il avait beaucoup de bagages avec lui, mais pas de bonnes choses. On priait avec lui. Et des choses bizarres et étranges commencent à se produire dans la maison. Des choses commencent à bouger. Des choses commencent à se déplacer. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre Bible et on court? Non, Sylvie, on ne court pas. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Pendant que nous en priait, je priais, l'autre personne avec moi en priait. Là, je ne vais pas vous détailler tout, mais à un moment donné, par terre, un grand cri. Et le calme, instantanément. La paix. Dieu fait de grandes choses, toujours. Ici, dans nos pays occidentaux, nous ne voyons pas très souvent ces choses-là. Mais mamie, en Afrique, on voit ça très souvent. En Amérique du Sud, on voit ça très souvent. Et vous savez ce que Dieu, Satan fait? Il est malin. Et si, en Occident, tout cela, non, ce n'est pas possible, non, on va traiter ça avec un médicament, on va faire ceci ou cela. Et beaucoup, c'est des problèmes qu'on peut traiter. Mais il y a aussi ce côté spirituel. La lutte et la bataille spirituelle qu'il faut mener. Dieu peut libérer et affranchir ces personnes. Pas à travers nous. Nous, nous ne sommes personne. Nous sommes des simples serviteurs. Pas à travers vous et moi, mais Dieu, à travers nous, fait l'œuvre. Et alors, ce que je vous dis par cela, c'est que, comprenez, même quand nous sommes face à des gens qui ont dirait « Non, non, jamais, jamais de ma vie, je vais l'inviter à chez moi. Jamais de ma vie, je veux le voir à l'église. Jamais de ma vie, je veux côtoyer ces personnes. » Dieu peut changer et libérer ces personnes. Et à nous de continuer et persévérer à annoncer l'Évangile. Parce que c'est par la puissance du message de l'Évangile que Dieu peut transformer des vies. Comme nous voyons ici, cette personne a placé sa foi en Jésus-Christ ce jour-là et même est venue à l'église pendant des années avant de déménager ailleurs. Et combien de fois nous pouvons répéter cette même histoire, n'est-ce pas? Que Dieu a franchi les prisonniers. Pas nous, mais le message tout-puissant. Alors, ce peuple était là, attentif à tout ce que Philippe annonçait, le message de l'Évangile. Mais par la suite, nous voyons une triste réalité. Nous voyons qu'il y avait un désir mauvais. Un désir de manipuler les choses. Regardez ce qui se passait là en verset 9. À partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci s'appelle la Grande. » Celle qui s'appelle la Grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Regardez à partir du verset 18. « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ce problème énorme qui se produit au sein de l'Église.
Là, l'Église commence à grandir. C'est pas juste l'Église remplie de Juifs. Maintenant, c'est des Samaritains qui viennent au Seigneur. Et là, Philippe annonce l'Évangile. Ils croient, ils sont baptisés. Et il y a Simon qui, entre guillemets, croit. Et il commence à suivre Philippe. Il est même baptisé. Vous vous rappelez comment je vous ai dit, Satan aime ou veut détruire l'Église. Il a essayé de détruire l'Église par l'extérieur, par la persécution. Maintenant, il a vu qu'il n'a pas réussi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a Simon qui fait profession de foi, mais qui n'est pas vraiment né de nouveau. Et qui s'infiltre dans l'Église. Et il se fait même baptiser. Et qu'est-ce qu'il voit? Ah, ce pouvoir. De pouvoir donner le Saint-Esprit à quelqu'un, je veux cela et je suis même prêt à le payer. Alors moi, quand je lis ce passage, instantanément, je pense à ce que nous retrouvons à la télé, n'est-ce pas? Nous avons Kenneth Copeland, ne rigolez pas, je suis américain, je sais, mais il y a même ce grand apôtre qui s'appelle Dollar, qui prêche, et il y a tous ces hommes qui... Ah, mais venez, regardez, envoyez vos dons et on vous enverra ceci ou cela que nous avons béni et vous serez bénis dans votre vie. Envoyez-nous 1000 euros et vous serez plus bénis. Et c'est que de l'argent, 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 l'argent. Et soi-disant, ils sont dans l'Église. Et c'est de ce moyen que Satan essaye de détruire aussi. Pas simplement par la persécution, comme nous avons vu ce matin au pays d'Afghanistan, mais aussi ceux qui se sont infiltrés pour se faire passer comme des agneaux, mais qui sont vraiment des loups déguisés en agneaux. L'Église aura toujours ce problème, jusqu'à la fin. Des hommes et des femmes qui rentrent, qui font profession de foi et qui sont même baptisés, mais qu'à la fin, ne sont pas vraiment des enfants de Dieu. Comment faut-il faire? Regardez ce que Pierre a dit, verset 17. Alors Pierre et Jean, verset 22. Verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi, ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit? Repens-toi. Qu'est-ce que l'Église doit dire à ces gens? Repens-toi. Ce n'est pas les rejeter. Oui, il faut les faire sortir s'ils ne se repentent pas, hein. Mais le premier pas, c'est toujours, venez au Seigneur. Venez, repentez-vous. Venez et placez votre foi en Jésus-Christ. Mais regardez, ce mot ici, que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, dans le grec, ce mot ici, c'est aussi traduit par complot. Dès le départ, Simon avait en tête, je veux voir comment je vais pouvoir faire, détourner les choses pour arriver à mes fins. Et Dieu avait montré à Pierre et à Jean, comme il fera pour nous tous, qui sont les vrais enfants. Alors, Satan essaie de détruire par l'extérieur, par la persécution, et par l'intérieur, par ceux, les faux chrétiens, qui essayent de s'infiltrer. L'Église. Mais regardez à la fin. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons en fait que l'Église, versets 14 à 17, on va faire vite, nous voyons que l'Esprit Saint descend sur ces personnes. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi c'est un ordre différent de ce que nous avons vu dans Actes chapitre 2 et maintenant, acte chapitre 8, c'est différent. Et maintenant, en acte chapitre 10, pourquoi c'est croire, baptiser, se repentir et on a reçu l'Esprit Saint en Actes chapitre 2. Ici, c'est croire, être baptisé
et recevoir le Saint-Esprit. Et en acte 10, c'est croire, recevoir le Saint-Esprit et être baptisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous que c'est une période de transition, de acte chapitre 1 à acte chapitre 2. Et Dieu avait donné à qui les clés du royaume? À Pierre, n'est-ce pas? Et vous rappelez que Jésus a demandé à ses disciples d'être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et après au monde entier. Et si vous lisez le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, chaque fois que l'Esprit Saint est descendu sur un peuple différent, Pierre était présent. C'est lui qui a ouvert la clé pour les Juifs à Jérusalem et Judée. C'est lui qui a ouvert la clé aux Samaritains, parce qu'il était là. Et c'est lui qui, en acte 10, qui a ouvert la porte aux païens pour entrer dans l'Église. Nous comprenons, nous savons que quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, l'Esprit Saint vient nous régénérer. L'Esprit Saint vient habiter en nous en permanence. Comment faut-il faire par la suite? Il faut vivre la plénitude de l'Esprit. Et vivre selon l'Esprit par la suite. Mais il est déjà en nous, comme nous voyons par la suite dans les autres écrits. Et quel est le résultat de cette persécution, cette souffrance au sein de l'Église? Oui, des gens viennent à lui et Dieu les sauve et l'Esprit Saint habite en eux en permanence. Mais regardez à partir du verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Satan voulait essayer de détruire et séparer les chrétiens pour qu'il y ait l'Église samaritaine et l'Église des Juifs. Il n'a pas réussi. Et le résultat de cela, Pierre et Jean sont passés par plusieurs villages et d'autres sont venus au Seigneur. Même quand nous traversons des moments durs et difficiles dans la vie, même si nous traversons la persécution, la souffrance, Dieu peut se servir de vous et moi pour semer l'Évangile. Est-ce que vous traversez un moment difficile dans votre vie? Ça n'enlève pas notre responsabilité de semer. Il faut semer en pleurant parfois. Mais il faut semer aussi dans la joie, en sachant que Dieu va faire croître son Église. Maintenant, ce n'était plus un truc, l'Église, un truc juif. Maintenant, il y avait d'autres, des Samaritains. Et ça s'ouvrait au monde entier par la suite. Dieu a utilisé la souffrance de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église pour accomplir son plan parfait, pour que les gens viennent à lui par la foi et soient sauvés. Est-ce que Dieu peut se servir de nous de la même façon qu'il s'est servi de Philippe aujourd'hui? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu fais en nous et à travers nous. Seigneur, aide-nous à être ces évangélistes comme Philippe, cet homme qui a commencé comme un simple serviteur. Rien de particulier, mais un homme qui avait un bon témoignage, un homme qui voulait obéir à ta voix. Nous aussi, nous voulons être ces personnes-là. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.